T'es sérieux, Bijou, t'as vraiment fait ça? On se verra dehors. Tu m'as dit de choisir, bro. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Bijou? Non! Ain't no fucking way, bro! Ain't no fucking way, t'as dit que save me up, bro! Ain't no fucking way, bro! Qu'est-ce que t'as fait, Bijou? Yo les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo! Aujourd'hui, moi et mon frère, on va aller déjeuner dans un restaurant qui était à côté de chez nous, là. Qui est à côté? Comment ça, qui était? Qui était, c'est le passé. Qui est à côté de chez nous. On va juste manger. La dernière fois qu'on avait mangé un déjeuner, ça avait coûté $70. Oh, hell nah! $70. Bon, là... Mais là, je sais que ce restaurant, il est moins cher. Bijou m'a dit que c'est moins cher. J'espère que c'est moins cher. Hein. Mais si c'est pas moins cher, oh, voilà! Bijou m'a dit qu'avec $25, on pourra manger tous les deux là-bas. Oui. Donc, Bijou, si ça dépasse $25, c'est toi qui payes. Deal! Sinon, deal! Si ça dépasse $35. Non! T'as dit $30. T'as dit $30. Okay, si ça dépasse $30. Et si ça dépasse pas $30, tu m'achètes une gaufre. What? Attends. Si ça dépasse, je paye tout. Si ça dépasse $30, tu payes. Oui. Ok, si c'est 30, $32 et quelque chose, oui. Tu payes. Et si c'est pas. Si ça dépasse pas, tu me payes une gaufre. À la fin de la vidéo, on verra la facture. Si ça dépasse $30, Bijou va payer. Mr. Telephone Man, my made it on you. On se met me sign. $30, Bijou va payer. Oh, on va manger. $30, Bijou va payer. Jamais. On va manger. Et je vais prendre l'esprit de prendre beaucoup de choses comme ça. Bijou va payer. Il va payer. Mais t'es fou, toi. Are you mad? Tu vas prendre quoi, Bijou? Mais j'ai envie d'un repas salé, là. Bacon, œuf, patate. Bacon, œuf, patate. Mais prends-en, c'est pas cher, non? Du café, les gars. Si je bois ça, je vais pas dormir cette nuit. Ils ont donné du café à Bijou aussi. Est-ce que t'as le droit? Oh, je croyais que les mineurs n'ont pas le droit de café. Et quoi? Je croyais que les mineurs n'ont pas le droit de café. T'as pas le droit. T'as le droit à du thé. Merci. Gracias. Je parle espagnol. Attends, je vais parler en espagnol avec la mère. Arrête. Je vais faire ça, Bijou. Comme ça. Je vais te faire live, attends. Arrête, non. Laisse-moi trouver des mots. Je te dis, je rentre à la maison. Attends, si je parle, tu vas te lever? Oui. Là, c'est live? Pourquoi tu manges comme ça, beau? Détache tes doigts. Détache tes doigts. Je n'ai pas fait exprès. T'es bizarre. À chaque fois qu'il mange, il est comme ça. Elle va venir, je lui parle en espagnol. Je vais dire, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais dire, j'ai pas envie de dire, t'as quel âge, parce que c'est juste ça que je vais dire. Toi, tu vas prendre quoi? Wow. Je vais prendre un repas salé comme d'habitude. Je vais prendre la même chose et je vais prendre une gaufre à part. On va prendre. Ouais, elle est à moi, bro. De quoi on va prendre? Regarde. Mais ça va coûter plus cher après. Hein, mon problème. Y a pas un truc avec genre des œufs et les gaufres ensemble? Des œufs avec quoi, excuse-moi? Œufs et gaufres. Ouais, bien ça. Ouais. Tout ça, c'est cette choix gaufres est différent. Ok. Carré, ouais. Je vais ok. Ça coûte combien? $5 de plus. Ce que toi tu prends, Bijou, c'est ça, mais ça, ils ajoutent la gaufre, c'est ça? Ouais. Ok, je vais prendre ça alors. Donc on appelle la meuf ou pas? Ouais. On l'appelle? Deux œufs avec chaque. Est-ce que les œufs sont bons ici? Genre, c'est meilleur pour le moment? Je te donne un peu de gaufre. Si tu veux une gaufre, achète-le à part ou je sais pas. Bingo! Arrête, tu veux pas trop. Je sais pas pourquoi t'as la haine. Si je parle espagnol, c'est ton problème. Je parle espagnol, c'est ton problème. Ok, une quoi de ca, 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 une quoi de ca, ca. Une quoi de ca. Moi, je peux avoir deux jeux avec choix d'accompagnement. Mais tu prends pas la go? Moi, je vais prendre la go. Mais tu prends la go? Avec quel choix? Bacon, pain blanc, moi, pareil avec lui. Mais avec. Bacon, pain blanc. Ouais. Avec les gaufres, c'est ça? Gaufres. Fraises, c'est ça? Fraises? Ouais. Fraises et Nutella? Fraises et Nutella, ouais. Fraises et Nutella? Ouais. Il y a la crêpe à tissu, tu peux faire un espace au chocolat. Parce qu'il n'y a pas de Nutella, il y a juste la crêpe à tissu, mais c'est possible de faire un espace. C'est un extra si je prends un Nutella? Ouais. $10 Ah non, je vais juste prendre alors crème pâtissière. Crème pâtissière? Ouais. Parfait. Comment t'es, Almas? Alma. Alma? Ok. T'as vu, je parle espagnol, bro? Et la crème pâtissière est pas bonne. Yo, elle m'a parlé d'extra, bro. Extra quoi? $3, bro, pour du Nutella? On prend, pour emporter, on amène à la maison, je prends du Nutella à la maison, bro. Fuck that, bro.
Bisou, comment tu rates mon espagnol? C'est pas quoi, il est c'est un haineux, gros. Je parle espagnol, mais il veut pas que je parle espagnol. Regarde, il a envie de sourire, il a envie de rire, gros. Il a envie de rire. Bisou, tu vois, c'est de quoi j'avais peur, bro. C'est qu'elle commence à faire la conversation avec moi, bro. Là, je veux dire, no hablas inglés, no hablas espagnol, no espagnol. Tu sais ce que je te dis ou pas? Comment tu t'appelles? Como te llamas? Et là, elle a dit Alma. Yeah. Les gars, la bouffe est arrivée, regardez ça. Ma gaufre. Et ça, t'es sûr que c'est dégueulasse, Bijou? C'est pas dégueulasse, mais comme. T'aimes pas? Toi, je pense que tu vas aimer. T'aimes ces genre de choses, mais moi, j'aime pas. Ok. Bijou, son plat est là. C'est bon? Et nos pains sont là aussi. Je crois que tu avais demandé pain blanc. Non, moi, j'ai pris pain blanc. J'ai entendu, t'as dit pain blanc. Elle a dit pain blanc ou pain brun? T'as dit pain blanc. Elle dit pareil à toi. Mais le pain brun, c'est bon pour la santé. Hein. C'est bon, c'est pas grave. Là, tu peux. Oh, mon phone. Ramasse mon phone, s'il te plaît. Laisse-le, je vais prendre après. Après, on peut chier. Mais il n'y a personne aux alentours qui va le prendre. Ça tentait que tu craignes, genre, que tu me dises, ok, c'est bon, pourquoi tu me filmes là, tu vois. Bon, vas-y, on y va là. Je sais pas ce qu'on dit là. Tu sais que je suis rendu comparé à toi. Déjà fini. Tu as mangé la gaufre avec moi? Il est grave concentré, hein. Regarde comment il est concentré. Quand tu manges, il faut être concentré. Vas-y. On mange en même temps, mais tu manges d'abord. Toi, t'aimes pas, hein? Ça va? Ça s'est amélioré. Là, la crème goûte rien, genre. Comment ça, ça goûte rien? Si y aurait, tu me dis là, ça aurait été bien. Laisse-moi essayer. C'est bon? Je vais essayer. Mais c'est pas la chose que je dois faire là? C'est ça, non? Ouais, mais je fais ça, c'est industriel. C'est pas naturel. Ouais, pas naturel. C'était quand même bon. Mmh. Donc. C'est un bon petit déjeuner là. Rapport qualité-prix, c'est meilleur ici que dans le avant. Mais l'autre là aussi, c'est parce que c'est une entreprise plus reconnue. Ok, et 70$ pour deux repas, c'est quand même trop. C'est vrai. Que un plat comme ça, ça coûte 30$. 35$. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? J'avais de l'argent à dépenser ou. Ça fait combien, Bijou? Regarde, il a la facture en main là. 32, 77, mais c'est à cause de toi, pas de moi. Comment ça? Le repas a coûté 10,25$. Mm-hmm. 10,25$. On avait pris 200, ça aurait coûté combien? 10 plus 1. 10 plus 10 égale à 20,50, ok? Ça aurait coûté 20,50. Le prix total, ça coûte 28,50. Plus les taxes et tout ça, 32,77. Ok. Donc, je ne suis pas dedans. Non, on parle de avant les taxes, Bijou. Avant les taxes, ça va dépasser les 30. Avant c'est les taxes. C'est moi qui ai gagné? J'ai gagné, ça va dépasser les 30. Genre, je suis resté en bas des 30. Avant les taxes, 28. Ça veut dire que c'est toi qui payes. De quoi tu parles? Tu on compte pas les taxes, on compte pas les taxes. Okay. T'as dit que si ça dépasse plus de 30$, je paye, non? Ça dépasse... ça dépasse plus de 30$. 32$. T'as dit avant taxes, merci. Tu veux le tester. En plus, en moins, tu devais m'acheter une gaufre, mais j'ai rien dit. Va payer. On y va. Ok. Et avec une carte? Ouais. Non, je paye débit. Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon. Tu veux comme un biche? Mais. Choisis. Je rentre ma carte.
Ok, c'est bon. T'en reste une? Eh ouais, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je prends le tas. C'est fini. Merci. Mm-hmm. Bonne journée. Mm-hmm. T'es sérieux, Bijou? T'as vraiment fait ça? On va se voir dehors, bro. On va se battre. On va se battre. Je dis, on va se battre. Les gars, vous allez comprendre dehors. On va sortir. Vous allez comprendre. Il m'a serré. Il m'a serré. On sort live, bro. On se verra dehors. Tu m'as dit de choisir, bro. On verra dehors, bro. Les gars. T'as rien oublié? Non. Ce que j'ai oublié, c'est mon point, bro. Les gars, vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Bijou? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, Bijou? Non. And no fucking way, bro. And no fucking way, that nigga set me up, bro. And no fucking way, bro. Et no fucking way, boy! Qu'est-ce que t'as fait, Bijou? Les gars, la machine est venue. La meuf a donné la facture. C'était $32, ok? Le total est $32. Et dans les trucs comme ça, il faut que tu donnes un pourboire, ok? Là, maintenant, je vais faire mon petit coup là. Je vais faire mon coup. J'ai dit à Bijou de mettre le pourboire, tu vois? Moi, dans ma tête, quand on dit pourboire, Bijou, tu mets $1, bro. J'ai dit de choisir. Je vais faire carré. Choisis. Le bouc, il a mis $6, bro, de pourboire. Moi, j'ai mis 15. J'ai mis $5. $32, ça finit à $37. $5. 37 et quelques. $5. Même si, bro, je dis de mettre vos. Tu mets un dollar, bro, je dis de mettre un petit. Tu connais pas, fucking pourboire. Il m'a set up. Toi, t'as mis $5 de pourboire, bro. T'as même donné $5 de pourboire, bro. Il m'a fucking set up, bro, les gars. J'ai payé le pourboire, yo, et là, ce qui m'a été fou, c'est que je dise, c'est trop cher, madame. Enlevez le pourboire, bro. Fallait que je paye quand même. Donc j'ai payé près de 40 balles, bro. $20 pour pas, c'est good. $20. Oh putain, il m'a set up, bro. Oh putain de merde. Non, mais on doit se battre, bro, on doit se battre. Bon, tu m'as chauffé, bro, tu m'as chauffé. Hell nah, je t'ai même pas avec toi, bro. Yo, je te dis, mais, tu mets 1,50, bro. Tu mets 1,50 de pourboire, bro. Pourquoi tu mets fucking $7, bro? Pourquoi tu mets $7 de pourboire? Pourquoi tu mets $7 de pourboire? Mon petit savait ce qu'il faisait, bro, il souriait. Dès que j'ai vu son sourire, je me suis dit, oh merde. Je m'en fous, Bijou, tu vas me payer quelque chose ici. On va rembourser mes $7. Oui, je veux ça. Oui. S'il te plaît, Bijou. Oui. Go. En plus, il savait. Oh, je vais revoir la vidéo. J'ai vu son sourire, bro, je me savais que c'était mort. J'ai vu son sourire, les gars, il était comme ça. Je savais qu'il avait fait quelque chose, je l'ai vu. Je l'ai vu, bro. Tu mets jamais 15%, tu mets fucking 5%, bro. Pourquoi tu mets 15%? 15% de pourboire, bro. Parce qu'en plus, il était gentil. Elle était gentille, oui, mais yo. Bijou, prochaine fois qu'on va aller dans un restaurant, il va payer le pourboire, bro. Et je vais lui mettre 10%, genre, je vais mettre 30% de pourboire, bro. On va faire ça. On va aller où? Où il demande des pourboires? Ah ouais, je sais où on pourrait aller. On va aller dans un truc comme ça, Bijou, il va payer 15%, 30% de pourboire, bro. Donc, voilà pour la vidéo, les gars. Likez, abonnez-vous, c'est pas comme ça fait. Là, on va où déjà? Ouais, peace.